Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy Crystal Chronicles. On repart pour une nouvelle année, l'année 4. On avait terminé l'année 3 dans le dernier épisode en battant le gros lemme. Là, je vais aller faire un petit tour dans la dernière ville dans laquelle on n'a pas rentré parce qu'on manquait une marque de je sais pas quoi. Et on l'a chopé au dernier. Quand on y est, il faut de la terre, d'accord. Donc la terre, je pense que c'est par là qu'on l'a. Oui. Ok, voilà. On va aller directement dans la ville. Tout au bobo. Pour voir ce qu'on pourrait choper comme amélioration et comme nouvelle arme. J'ai ce qu'il faut. Alors t'emballe pas Coco. C'est pas gégène comme paysage. Mais on a fait que passer. Juste pour aller visiter une ville. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du vent. Et je suis en terre. Alors, est-ce qu'on chope le vent ici? Non. Alors, faut les champignons qu'on a le vent. Non. Il va pas passer? Il semblerait qu'on ne puisse pas passer. Là, il y a le bateau. J'ai renommé la coque dans le bateau, devrait pouvoir naviguer un peu plus loin maintenant. Vous voulez aller... On va aller sur l'autre rive. Ok. Je vais arriver à marre tout le monde d'abord. Vu qu'on ne peut pas aller dans la ville parce qu'on peut pas passer, on va aller sur l'autre rive éventuellement. On va voir ce qu'on peut faire. On a suffisamment de villes. Ah ouais, c'est un guild du mètre quoi. Le coup il a fait 50 mètres, 50 guilds. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Par là on a rien, donc c'est la sortie. Parce que la sortie est peut-être de l'autre côté aussi, oh, tu me diras, hein, mais... bah non, 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 il y a que dalle ici. Ok. On va voir la région, ce qui se passe. On va se faire ramasser. Donc au moins, on a traversé, on est dans une région qu'on venait pas. Enfin, je pense. Voilà. Alors. On est dans cette ville. Fume. T'as fumé. Plus jeune, j'ai dû faire quelque chose. Ok. Quelle joie de recevoir des lettres de ses proches. Prenez bien soin de votre famille. Bah, j'envoie des trucs quand je peux. Hein. Rien d'autre.
Vous avez dû faire un long voyage. Vous devriez goûter quelques délicieux produits de fume pour vous remettre. Qu'est-ce qu'ils ont? Non. C'est vraiment magnifique, j'aimerais tant le voir sans miasme un jour. Pareil d'éternel. Et plein de fumes sur le royaume de l'agriculture et nous ne pourrions rien faire sans la rivière Gégon. Ok. Oh, il y a un cochon. C'est votre jour de chance, une célèbre course de vache a eu lieu aujourd'hui. Pour parier 5 guilds sur votre vache préférée, allez, faites vos jeux. Ok. Je crois 5 guilds. Hein. Alors, je vais parier sur le numéro d'œil. Et elles sont parties! Il y a deux à l'heure. Vas-y pour la mienne, hein. Vas-y! Dernière, arrive des numéros 3, 8, 4 et 5. La vache numéro 1 ferme la marche. Ok, c'est la numéro 2 qui gagne en fait. Allez, mène-toi! Une course de vache, une course d'escargot, ouais. Et surtout que les vaches elles ressemblent à des cochons, mais bon, c'est pas grave. On me dit pas qu'il y a 250 km à faire. Hein. Ah, fait 10 mètres là. Ah, mais course! C'est la vache numéro 2 qui est en tête. Ouais. C'est où la fin de la course là? Parce que là je veux pas dire mais ils sont un peu à la traîne les bestiaux. Et la fin de l'année va arriver et la course sera pas finie. La vache numéro 6 c'est juste derrière, suivi des numéros 5 et 7. 7 et 4, puis enfin les numéros 3 et 1. Mène-toi à 2. À son comble. Apporte-moi d'ici. Mais c'est qu'elle se fait rattraper. Allez! Il faut que je te pousse pour que t'ailles plus vite! La vache numéro 2 est en tête! Bah, pas de beaucoup, hein! C'est bien fait rattraper la 2. La vache numéro 6 juste derrière. La 6, tu restes derrière! Et la 2, t'avances! Mais avance à deux! C'est pas trop tôt, ouais! Mais c'est pas tous les jours que je ferai une course, hein! La vache numéro 2 qui l'emportait avec une cote de 2 contre 1, bah je mets 200! Je gagne gros lot, félicitations! Cool. Salut les vaches! J'ai gagné les guilles, en fait! J'étais remboursé! Mais il n'y a pas grand yak en fait dans le coin. Par une course de vache qui dure 3 plombes. Tiens. Attrapez le voleur, attrapez le voleur. Quel voleur? Voleur de quoi? Mais si nous trouvons le voleur, nous aurons du mal à attraper. Comment faire alors? Le voleur de quoi? Je
pense à fait quelqu'un, j'ai entendu parler du chevalier noir. Je pense ce qui lui est arrivé. Là, y'a rien. Là, y'a rien, y'a des pommes. Mon frère et moi allons attraper le voleur. Bah, t'aimes bien chez les voleurs de quoi? Oh, vous, il faut, fallait quelque chose? Bah, ouais, des armes. De la puissance, quoi! Mais fais une chose! Et où la sortie? Perdu. On a fait le tour du champ. Ah. Qui ose voler notre gagne-pain? Si jamais je trouve le voleur, il va passer un seul quart d'heure. Mais voleur de quoi? Même si nous trouvons le voleur, nous aurons du mal à attraper. Comment on fait alors? Mais j'en reviens de par là! C'est où la sortie, bon sang de bois? Vas-y, parle. Bon. Ouah, rien d'intéressant dans le village là. Hein. Allez. La caverneole. Ah bah, on a du vent. C'est bien ça. Le vent est fort ici. Les gens disent que c'est dans cette caverne que naît chacun de ses rafales. Je me demande pourquoi ce vent me fait frissonner. Il a dû s'échapper il y a à peine un instant. Ah, je ne pas les baisser à la bouffe là. Le truc violet qui boule. Peut-être soufflera-t-il à travers le monde se réchauffant au contact des souvenirs qu'il recueillera. Le vent a pour but d'emporter ses souvenirs partout où il va, et une fois son parcours terminé, c'est qu'il finit par revenir. Ok. Nouvel endroit, la caverneole. Bon, il y a des hommes lézards là qu'on a déjà battus. Juste avant le golem, il y a pas de slime, mais il y a des trucs violets là. C'est bien. Mais si je veux pas sortir. Oula. Saleté, donne-moi des trucs de soin. Ah mais il y a des deux foudres. Allez, c'est pour moi. Tiens! Mais tu vas te lever, toi. Tiens! Faut pas les toucher, les bestioles. Hein. Que Phoenix. Comme par hasard.
Oula! C'est quoi la tête du scarabée? Putain! Paf! Tac! Oula! Heureusement, j'ai une queue phénix. Oui, c'est bien un mégalithe de soin. Oups. Je l'ai utilisé. Je savais pas qu'on pouvait l'utiliser comme ça. Allez, on attaque. On attaque, on attaque, on attaque. Mais si elle, elle a fait clochette là. Ici toi. Oh c'est une gros. C'est un gros mystique tout le monde. Mais c'est coriace les bestioles là. Il va se calmer le machin là. Hop là, oh là. Oh du brasier. Là y a rien. Par contre là y a un coffre. Bouclier de fer, c'est pas pour moi. Je vous laisse pas le temps, moi. Bon, allez, c'est donc pas par là qu'il faut aller. Donc là. De l'autre côté hein. Puisqu'on est arrivé là. Qu'est-ce qu'il veut? Allez, tiens, mange comme ça toi. Paf. Tiens. Alors fais-moi le cacou hein. Ouais, alors ça. Oh là oh. Tiens. Non. C'est quoi ça? C'est bon. Oula. Ah, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas.
venir à moi. Tu m'as pas eu, tu m'as pas vu. Et on a eu le moustique. Si on me donne le moustique, dégueule. Et bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'a pas été très loin, mais bon, on voit un peu le système de... un petit peu les monstres qu'il y a, d'ailleurs, je vais en profiter pour me soigner. Voilà. Et on se donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et à bientôt, ciao.